Dirty wine, dirty dance, dirty move. Dirty connect, that's why it's a movie. Dirty wine, dirty dance, dirty move. Dirty connect, that's why it's a movie. Dirty wine, dirty dance, what a one. Let's take that when I'm done, so play it. C'est trois sœurs. Moi, Tatiana, 19 ans. Géraldine, 22 ans, les deux sœurs. Et Colette, 17 ans. C'est un groupe de Sega. On chante toutes les trois. Ça fait déjà 2 ans. Voilà. Donc, ben voilà, on vit toutes les trois à la réunion. Et ben, on essaie d'évoluer dans le domaine de la musique. Que ce soit nouveau chant et danse. Au début c'était Bourgeon, puisqu'on chantait dans le groupe de notre père, d'abord moi et Géraldine. Et ensuite, quand mon père il a fait son album, moi et Géraldine on chantait une chanson en solo. Parce qu'à la base on était choristes et ensuite on faisait les parties nous-mêmes. Et on a vu que cette chanson a marché parmi celles qui étaient proposées sur l'album. Ensuite on a décidé de faire un petit single pour pouvoir démarrer nous deux et Colette nous a rejoints. Et là, différencié du groupe de notre père, on a mis Bourgeon Girls. Donc les filles du groupe Bourgeon. Voilà. Et donc ensuite, pourquoi Big Girls maintenant? C'est parce que le groupe de notre père existe toujours. Et quand les gens voient que sur les affiches c'est écrit groupe Bourgeon, ils n'arrivent pas encore à faire la distinction entre Bourgeon Girls et le groupe Bourgeon. Donc c'est pour ça qu'on a abrégé, on a mis Big Girls. Mais c'est toujours la même chose. Alors en fait, le projet Psychoa nous a été proposé par une marque de boissons. Donc nous sommes les interprètes de la chanson Psychoa. Et l'idée ne vient pas de nous à la base. Donc en entendant l'instrumental et tout, on a accepté parce que la musique nous plaisait bien. Donc voilà, c'est pour ça. Et puis c'est un moyen de changer. Voilà. D'être un peu plus moderne, on va dire. Parce que on va dire que les musiques qu'on écoute actuellement, c'est le coup de gros, coupé décalé, enfin des musiques très festives et voilà. Parce que c'est pas parce qu'on va faire du coup de gros, coupé décalé à l'heure d'aujourd'hui que ça veut dire que on va abandonner le Sega. Et puis je pense que notre public ne nous aime pas que parce qu'on chante du Sega, il nous aime parce qu'on, pour les qualités qu'on a, pour ce qu'on dégage sur scène, pour la prestance qu'on a, enfin, on l'espère. Si on s'entend aussi bien, malgré nos défauts, je pense que c'est parce qu'on, déjà, on est trois sœurs, on est tout le temps ensemble, donc même si on se chamaille des fois, ce ne sera pas sur le long terme, ce sera sur le court terme. Et sur la scène, on ne mélange pas tout ça, donc on se sourira, personne ne remarquera qu'on ait eu une dispute juste avant, par exemple. Exactement. Et puis nos parents aussi sont là pour nous recadrer. Alors en fait, pour aujourd'hui, en ce qui concerne l'enregistrement au niveau du studio, il y a eu plusieurs équipes qui étaient là, dont les caméramans pour pouvoir faire justement un making off. Il y a aussi l'arrangeur musical, donc Christopher Fontana, qui a été là pour l'enregistrement de tes voix et pour la maquette également. Ensuite, on a Lohan qui était également avec nous pour tout ce qui était ambiance et tout au niveau de la musique. Lulu Ulrich, excusez-moi. Donc il y a également Ulrich pour l'arrangement musical, tout ça. Il y a maman pour nous soutenir. Et il y a nous aussi pour pouvoir poser la voix, justement.
donc ça s'est super bien passé, on a été super bien encadrés. Et justement, mais il y a quelqu'un aussi qui nous suit énormément dans tout ce qu'on fait et qui est également là aujourd'hui, c'est notre manager Pierrick Blancard, qui nous soutient également dans ce projet. On a rencontré le manager par sa nièce qui nous aimait, qui appréciait notre chanson et qui écoutait souvent, et elle a demandé à Pierrick s'il connaissait les Big Girls. Et après par ça, Pierrick a vu qu'on avait beaucoup de fans qui nous suivaient et nous a voulu nous amener dans un peu le professionnel. Donc, et puis à la base Pierrick. Donc il a vu également les fans qu'on avait à la Réunion et il s'est dit que il aimerait, parce que lui son but à lui c'est de faire connaître des artistes locaux vers le national. Donc son premier but c'était de nous faire connaître pas seulement à la Réunion parce que pour lui on avait déjà conquis le public réunionnais, mais aussi en métropole. Donc voilà, c'est par rapport à ça qu'il nous a rejoint et c'est toujours son premier but. Si t'es soeur, si t'es pour la vie la vraie, si t'es famille au grand cœur, si t'es open à l'enfer. Je pense qu'on a à peu près le même but que Pierrick, c'est de faire connaître notre musique, pour notamment Sega, de faire connaître les Réunionnais vers le national. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on va dire qu'il y a beaucoup de monde qui ignore complètement que l'île de la Réunion existe, qu'il y a les Réunionnais qui existent. Et comme nous, on est fiers de notre culture et qu'on veut montrer qui on est et qu'on veut montrer qu'on existe aussi, notre but c'est d'exporter notre musique dans le national et pourquoi pas à l'international. Moi, ce que j'aimerais dire aux fans, c'est merci de nous apprécier, surtout de nous soutenir, parce que des fois, ce qu'on voit, des fois les fans deviennent comme notre famille. C'est-à-dire qu'ils nous suivent partout, ils nous soutiennent, ils se déplacent de très loin pour nous, et ça fait vraiment très plaisir. Le fait qu'on voit des enfants crier en bas juste pour nous, ça nous fait très plaisir. Déjà ça fait plaisir qu'en 4 mois il y a eu 5000 fans et ça fait énormément plaisir que la Réunion et même en France les gens nous suivent. Si vous voulez notre Facebook, c'est Big Girls officiel. Dessus il y a des indications, on ira chanter, les clips, les photos, toutes les actus des Big Girls. Alors en fait nos fans varient de 1 an à il n'y a pas de limite. Parce que en fait on a déjà chanté pour aussi bien des très jeunes pour les baptêmes justement que pour pour fêter des 50 ans de mariage. Et en fait la première danse a été sur notre premier titre, c'est Sega Highway. Drink Ali, drink Ali. Hey, hey, hey.